aujourd'hui pour vous faire les swatchs des Plumping Lip Gloss de chez MUA. Donc je vous avais promis de faire la vidéo, donc je la fais à la suite, comme ça c'est chose faite, j'oublierai pas de la faire. Donc c'est parti, je vais vous faire les swatchs de ces petits produits. Donc il faut savoir que c'est des lip gloss qui sont repulpants, donc qui arrachent pas mal et qui piquent. Donc si vous n'aimez pas cette sensation, fuyez ce genre de produit, c'est peut-être pas idéal pour vous. Ça donne vraiment la sensation d'avoir des lèvres comme ça quoi. Mais après visuel, je crois pas, enfin je pense pas. Donc je vais commencer avec les deux. En fait j'en ai deux qui sont pailletés, ils sont là. Donc c'est ces deux là, donc un nude et un orange. Ouais, orange. Donc est-ce qu'ils ont des noms ces petits? Ouais. Donc on va commencer tout de suite avec le Sienna qui a des petites paillettes dorées, qui a orangé. Voilà, je sais pas si vous pouvez voir. Voilà. Donc c'est des embouts mousse, hein. Ils sont très 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 longs. Je sais pas si vous vous rendez compte par rapport à ma main. C'est juste hyper long. Donc je vous fais le swatch. Donc c'est vraiment super super méga pigmenté. Donc voilà. Ça donne vraiment le rendu du tube. Donc ça c'est cool. Je sais pas si vous pouvez capter les petites paillettes. Et ensuite on a le nude. Donc qui est un nude avec des paillettes... des paillettes dorées. Et donc par rapport à l'autre nude, vous voyez qu'il est un peu plus clair, un peu plus foncé, donc il est là. Voilà. Donc celui-ci c'est le buff, je sais pas comment. Voilà, donc il est là. Donc c'est un nude assez marronné. Donc je pense qu'il est pas mal pour les peaux claires l'été, et pour sinon les peaux mates l'hiver, ça peut être pas mal. Ensuite, on en a un qui est un petit peu nacré. Donc celui-ci c'est un peu si je l'avais vu comme ça, je pense que je l'aurais pas pris. Il est nacré avec des reflets un peu bleutés, je trouve. C'est le Pink Sugar. Voilà ce qu'il donne. Vous voyez qu'il a des reflets en fait. On va continuer avec les roses. C'est le Shocking Pink. Voilà, qui a un rose pétant. Il est totalement mat celui-ci. Et je dois dire qu'ils tiennent assez bien hein, quand même. J'en ai testé un l'autre fois pour voir le rendu et tout ça. Ils tiennent assez bien. Donc voilà ce qu'ils donnent. Donc il est un peu fuchsia, enfin violet fuchsia. Ensuite vous avez un rouge framboise qui est le... Voilà. Qui est juste au fond. Ensuite on a un rose bébé qui est le Candy Pink. Donc voilà ce qu'il donne. Et pour terminer, je vais terminer avec le nude qui s'appelle tout simplement Nude. Voilà. Qui est un nude vraiment très très clair. J'adore ce genre de nude pour l'hiver. Et qui est là. Voilà, donc voilà pour ces petits swatchs. Vous voyez que c'est hyper hyper pigmenté. Pour des glosses, vous pouvez les porter tout seul en fait, comme un rouge à lèvres. Ça tient assez bien, ça colle pas tant que ça, je trouve pas que ça colle plus que ça. Par contre l'effet repulpant est vraiment hyper surprenant, donc si vous aimez pas ça, je vous déconseille de prendre ces glosses. Mais sinon, au-delà de ça, moi j'aime beaucoup, voilà, ils sont vraiment super beaux. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo aura pu vous aider, qu'elle vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao !